Herr Bundesrat, geschätzte Damen und Herren. Das Coronavirus lässt uns leider auch in diesen Festtagen nicht los. Die Situation ist nach wie vor kritisch. Deshalb hat der Bundesrat vorletzte und letzte Woche strengere Maßnahmen beschlossen und er hat die besonders betroffenen Kantone zum Handeln aufgefordert. Manche haben reagiert, andere haben gezögert. Der Bundesrat ist sich einig, dass es zusätzliche Maßnahmen braucht und inzwischen teilen auch alle Kantone unsere Überzeugung. Diese Einigkeit freut mich. Unser Land ist stark, wenn wir gemeinsam handeln. Es braucht jetzt die ganze Schweiz. Notre pays est fort quand nous agissons tous ensemble. Maintenant, nous avons besoin de toute la Suisse. I dovrà usa l'intera Svizzera. Il nostro paese è forte quando agiamo tutti insieme. Ora c'è bisogno di tutta la Svizzera. Natürlich wünschen wir uns alle, dass diese Corona-Krise bald vorbei ist. Wir alle hätten gerne gerade über die Festtage ein paar unbeschwerte Tage verbracht, mit Familie, Freunden und Bekannten. Aber Tatsache ist, dass die Ansteckungen in den letzten Wochen auf sehr hohem Niveau sind und wieder zugenommen haben, mit dem Resultat, dass die Spitäler und besonders das Personal in den Spitälern, aber auch in den Alters- und Pflegeheimen am Anschlag ist. Und viele Familien, Freunde und Angehörige trauern um einen lieben Menschen, den sie verloren haben. Diese Pandemie ist nicht nur eine Bedrohung für unsere Gesundheit, sie ist auch für unser Gemüt, für unser soziales und wirtschaftliches Leben eine Belastung. Damit wir die Ansteckungen deutlich senken können, hat der Bundesrat heute Entscheide gefällt, die rasch in Kraft treten. Konkret heißt das, Restaurants werden geschlossen, ebenso Freizeit- und Sportbetriebe, Kinos und Museen. Die Läden bleiben offen, aber die Kapazitäten werden beschränkt. Aus den Erfahrungen, die einige Kantone mit diesen Massnahmen gemacht haben, wissen wir, dass damit Ansteckungen gesenkt werden können. Diese neuen Regeln gelten ab Dienstag, und zwar für mindestens einen Monat, also bis am 22. Januar. Wichtig ist, dass wir auch über den Tag hinausschauen und die nächsten Schritte klären. Der Bundesrat hat deshalb heute entschieden, dass wir noch vor Ende Jahr eine erste Zwischenbilanz ziehen und sollte sich die Situation nicht spürbar verbessern, Anfang Jahr weitere Massnahmen beschließen. Das heißt, wir verfolgen auch in den kommenden Tagen und Wochen die Situation sehr genau. Meine Damen und Herren, dem Bundesrat ist bewusst, dass die neuen Einschränkungen viele treffen werden. Für sehr viele Betriebe, aber auch für selbstständig Erwerbende wird es ganz schwierig werden. Es ist dem Bundesrat daher wichtig, dass Bund und Kantone helfen. Nebst der bereits bestehenden Unterstützung wird der Bundesrat zusammen mit den Kantonen auch jene Unterstützungsmaßnahmen umsetzen, die vom Parlament soeben verabschiedet worden sind. Und außerdem will der Bundesrat ein weiteres Hilfspaket prüfen. Wir tun das gemeinsam mit den Kantonen und der Bundesrat wird im Januar die entsprechenden Eckwerte beraten. Der Bundesrat ist sich auch bewusst, dass, wenn wir unsere Kontakte reduzieren, viele Menschen vermehrt allein und auch einsam sein werden. Ich wünsche mir daher gerade im Blick auf die Festtage, dass wir zueinander schauen, dass wir füreinander da sind. Die Pandemie hat gezeigt, wie verletzlich wir sind und darum müssen wir Sorge tragen zueinander. Unser Land ist stark, wenn wir solidarisch sind. Unser Land ist stark, wenn sich alle einbringen. Und unser Land ist stark, wenn wir gemeinsam handeln. Es braucht jetzt die ganze Schweiz. Danke. Merci, Madame la Présidente de la Confédération. Monsieur le Conseiller fédéral Berset, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Vice-président du Conseil fédéral, Monsieur le Vice-chancelier, Mesdames et Messieurs.
La situation et l'évolution de la pandémie ne correspondent pas à nos attentes. Les nouvelles infections sont en augmentation en Suisse, dans la majorité des cantons. Le taux de reproduction du virus est supérieur à 1. Il faut faire attention au décalage. C'est la situation d'il y a quelques jours, mais on voit quand même qu'elle est à un très haut niveau. Et surtout, la situation du personnel soignant dans les hôpitaux, dans les centres de soins, n'est pas tenable ainsi à long terme. Il y a la charge physique, évidemment, qui pèse sur les personnes qui doivent travailler dans ce cadre-là, dans le système de santé. Également, toute une série de problèmes que pose le fait de reporter pendant plus que quelques jours ou quelques semaines toutes les opérations qui ne sont pas urgentes. Nous avons aujourd'hui une évolution qui montre une augmentation, enfin pas aujourd'hui spécifiquement, mais en général, avec une augmentation exponentielle des cas. Et c'est une situation qui est critique parce que nous sommes à un très haut niveau. Si nous étions à un beaucoup plus bas niveau, la situation serait différente, mais ça n'est malheureusement pas le cas. Et nous avons aujourd'hui la nécessité d'avancer encore parce que cette situation ne va pas se corriger toute seule. Nous souhaitons pouvoir réduire vraiment les nouveaux cas de manière nette et rapide au cours des prochaines semaines. Autrement dit, atteindre un niveau de reproduction qui soit de 0,8, ce que nous avons eu à chaque fois dans les deux premières vagues. Dans la deuxième vague, ça a fonctionné un moment, mais pas très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé ce matin au Conseil fédéral que dès mardi prochain, nous allons activer l'étape suivante avec des mesures qui sont dures. Mais qu'il est important de prendre aujourd'hui pour reprendre le contrôle de cette situation. Avec la fermeture des restaurants, il y a des exceptions, vous pouvez voir dans les documents, pour les hôtels, les take-away, les livraisons, les cantines d'écoles et d'entreprises. La fermeture également des centres sportifs et de loisirs, je ne vais pas faire toute la liste, il y a des exceptions également dans ce cadre-là. Et puis, rappeler que dans ce cadre, évidemment, tout cela s'applique sur l'ensemble du territoire, et j'aimerais le dire ici très clairement, aussi dans les stations de ski, donc les restaurants seront fermés, et les magasins également, avec les restrictions qui ont été prévues et fermées à 19h, les dimanches sont également fermés. Pour le reste, dans les stations de ski, ça reste la responsabilité des cantons d'ouvrir ou pas les remontées mécaniques avec les restrictions qui ont été prévues, mais il faut leur dire ici clairement, réfléchissez bien. Réfléchissez bien parce que les hôpitaux sont pleins et de mettre beaucoup de monde sur les pistes de ski peut faire courir le risque de voir, de manière assez évidente, augmenter les accidents. Et là, il faut être très, très prudent. C'est une responsabilité très importante pour les cantons. Dernier élément que je mentionne, c'est la limitation du nombre de clients dans les magasins, donc des restrictions là. Et en rappelant que les fermetures de 19h à 6h, de même que le dimanche et les jours fériés, sont toujours en vigueur. Tout cela entrera en vigueur dès mardi. Cela veut dire que les magasins seront aussi fermés les 25, 26 et 27 décembre, avec une exception dès mardi pour les pharmacies et les boulangeries. Ça nécessite pour toutes et tous de bien planifier ses achats et de bien se préparer. Tout cela sera valable du 22 décembre jusqu'au 22 janvier, de manière à ce que nous puissions, au début de l'année prochaine, voir quels sont les effets de ces mesures, en espérant vraiment, parce qu'on avance dans les marges de réserve qu'on a, en espérant qu'on puisse vraiment reprendre le contrôle. Il y a la possibilité, c'est connu, d'assouplir ces règles dans les cantons où la situation est plus favorable. Mais il faut le dire franchement, il faut bien regarder la situation comme elle évolue maintenant. Il ne faut pas donner trop d'espoir avec ça. Ça ne va plus être très long avec la situation qu'on voit évoluer pour que ce niveau d'évolution de la pandémie reparte à la hausse, y compris dans les cantons qui aujourd'hui ont des exceptions. Nous avons ce matin également pris quelques décisions qui concernent les tests rapides. Ces tests rapides, d'abord, c'est très important de continuer à se faire tester. On peut dire ici que l'introduction des tests rapides a permis une augmentation du nombre de tests, mais ce n'est pas encore suffisant pour contrôler la diffusion de l'épidémie. Nous avons de nouveaux tests rapides qui arrivent, qui sont plus faciles à faire, moins intrusifs, ils arrivent sur le marché. Et nous avons donc ce matin modifié l'ordonnance pour permettre l'usage de ces nouveaux tests, aussi pour les personnes asymptomatiques. Ce sera donc possible de faire ces tests rapides, même sans symptômes, dès le début de la semaine. On peut penser ici, par exemple, à une visite dans les EMS ou une visite à l'hôpital. Mais il faut faire attention, un test rapide négatif ne donne qu'une situation au moment où vous le faites. Donc on peut considérer que c'est plus ou moins valable pour la journée où le test a été fait, mais c'est déjà plus valable pour le lendemain. C'est une moment Aufnahme, ce n'est pas vraiment un test négatif, ne veut pas dire que vous ne serez pas positif le jour suivant. Et donc, même si ces tests sont négatifs, il faut faire attention à garder, bien sûr, le masque et les distances. Mais enfin, ça permet d'avoir une amélioration dans le suivi.
Voilà, noch einmal vielleicht, meine Damen und Herren, wir sind nicht da, wo wir sein wollten. Wir haben eine starke zweite Welle erlebt im Oktober, das ist bekannt. Wir konnten im November die Ansteckungen senken, aber seit Anfang Dezember sinken die Zahlen nicht mehr. Sie steigen wieder an und das von einem hohen Niveau aus. Das ist das, genau das Problem, das wir jetzt haben, diese Wiedersteigerung auf sehr hohem Niveau. Das macht uns große Sorgen, auch weil die Spitäler sind seit Wochen praktisch ausgelastet, auch weil das Gesundheitspersonal ist seit Monaten sehr stark belastet. Ich habe noch die Gelegenheit gehabt, diese Woche einen Besuch in Neuenburg zu machen in Neuenburg, und ich musste mal wirklich feststellen, wie das Personal auch müde ist mit dieser Situation, die jetzt entsteht. Und wir wissen, dass das ist auch nicht gut haltbar auf die lange Zeit, auch weil jetzt die Festtage kommen. Das ist auch ein Risiko, mehr private Kontakte, und das mit dieser Tatsache, dass die Reproduktionszahl des Virus über eins ist. Das heißt, es entwickelt sich nach oben und das auf sehr hohem Niveau, was uns überhaupt nicht gefällt. Daher diese Maßnahmen, diese nächste Etappe, sind harte Maßnahmen, das ist uns bekannt, die ab Dienstag gelten, mit der Schließung von Restauranten, Sportbetriebe, Kulturbetriebe, Freizeiteinrichtungen. Und das gilt vom 22. Dezember bis 22. Januar 2021. Es gibt auch Einschränkungen in der Läden, und wir werden da in der nächsten Tage und Woche sehr genau schauen, wie es sich entwickelt. Wir können einfach jetzt nicht uns erlauben, die Situation nicht im Griff zu haben auf diesem Niveau.